je regarde d'abord, c'est un très beau lac. On était très heureux de pouvoir mettre les pieds dans le sable parce que nous on vit à Paris. Voilà. Après, comme tout plan d'eau qu'on ne connaît pas, c'est compliqué les premières manches. Les locaux, petit avantage. Voilà, mais on s'est vite rattrapé dès le lendemain et on a réussi à bien finir. On est venu à 6 bateaux de Paris. Donc l'idée c'était de venir en groupe, passer un bon week-end tous ensemble, en profiter pour naviguer. Voilà, ça fait partie du mouvement collectif. Un petit plus sympa pour moi, parce que comme je suis l'entraîneur sportif du club, de gagner, ça valorise mon droit de parole. Alors, comment s'est passé le championnat? Bon, on est assez content de venir à Cazaux, puisque c'est quand même un beau plan d'eau. Et c'est vrai que c'est quand même un endroit assez magique où on est, on est un peu en vacances, quoi. Les pieds dans le sable, au soleil, c'est quand même très sympa, quoi. On est aussi venu pour l'ambiance. C'est une régate où y a beaucoup de bateaux, beaucoup de participants. Ça permet de voir des gens qu'on voit régulièrement sur des régates ou même de découvrir d'autres personnes. Donc c'est quand même une belle épreuve pour ça, quoi. Et globalement, ça s'est bien passé, puis on l'a gagné, donc ça c'est pour nous, on est très contents. Surtout ce qu'on a apprécié, c'est le niveau de participation, le niveau qui était sur l'eau, qui était très bon. Donc il a fallu vraiment, c'est pas une victoire qui s'est décrochée comme ça, c'était vraiment très très bien, très affronté, ça s'est joué à quelques secondes à chaque fois. Pour ça, ça a fait notre bonheur. Conditions météo étaient, bien sûr, on a vu un peu molle, mais enfin, on a su attendre. Enfin, le comité a su attendre, c'était très bien. Ils ont pris les bonnes décisions. Donc, franchement, une bonne organisation, une régate de bon niveau. Voilà, on s'est vraiment fait plaisir. On avait une bonne préparation. On savait que ça allait être court, plutôt sur 2 jours que sur 3, en voyant la météo. On savait que premier jour, il fallait être dans le match de suite. On s'est bien préparé. Pour cette épreuve quand même, en participant au maximum de régates organisées par le CVCL, où ça s'était bien passé, donc on avait une bonne impression, on savait qu'on pouvait être compétitif et ça s'est bien engagé, donc voilà.